Coucou, bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage journalier, le message du jour, mes belles âmes, prenez ce qui résonne pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on va nous parler aujourd'hui? Déjà à la coupe, voir un petit peu ce qu'on retrouve. Alors, quel est le message du jour, s'il vous plaît? Alors, à la coupe. Ici, on nous parle de route, de déplacement, on verra un petit peu ce qui arrive derrière, peut-être un déplacement de situation, peut-être un déplacement, quelqu'un qui vient à vous, on verra un petit peu ce qu'on va nous dire. Et on retrouve ici quand même quelque chose qui peut être long sur la longueur, mais on peut nous parler également d'une perte financière ou d'un achat inattendu ou quelque chose qui arrive sur le plan financier un petit peu négatif. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Quel est le message du jour, s'il vous plaît? Quel est le message du jour? Alors, ici, mes belles âmes, de quoi on me parle? Alors, on me dit qu'il y a du retard. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait quelque chose qui pouvait être long. Et bien ici, on me confirme quand même qu'il y a du retard. Hein, la coupe, on me parlait de longueur, on pouvait me parler ben, peut-être compliqué sur un passage financier. En tous les cas, il y a quelque chose dans ce sens-là et on me dit qu'il y a des soucis, des ennuis. Et pour moi, on me parle d'un aspect financier. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire, s'il vous plaît? Alors, on va faire un petit peu de place. Hop. On nous dit d'avoir confiance. Hein. On nous dit d'avoir confiance en vous. Alors, on nous parle ici peut-être par rapport à un couple, donc sur l'union familiale, l'union sentimentale, il y a peut-être des difficultés dans votre maison, dans votre foyer. Et ici, on me parle d'un aspect financier. Alors, j'essaie d'avoir un peu plus d'informations. Ça concerne une séparation, il suffisait de le demander. Bah, écoutez, on nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive en retard. On voit que ça peut être conflictuel peut-être dans votre relation. Et bien, il y a quelque chose qui arrive en retard. On retrouve un aspect financier, que ça va être compliqué dans quelques temps. Peut-être que vous allez vous projeter à vous séparer. Alors, on va aller voir un petit peu sur le tour de carte complet, voir ce qu'on me donne comme information complémentaire. Et on retrouve l'hiver. Et ben, on voit déjà, c'est conflictuel dans votre maison, dans votre foyer. Peut-être que vous projetez tout simplement, que vous n'avez pas encore passé le cap. En tous les cas, ça vous tourmente. On nous dit qu'il y a des soucis qui arrivent dans votre relation, dans votre couple. On nous dit d'avoir confiance, de s'investir et d'avoir confiance en soi. Pour moi, il y a une séparation qui arrive dans quelques temps. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit et on retrouve le déplacement. Vous voyez, ça représente tout ce qui est déplacement. Déplacement de situation, puis un déplacement... Certainement peut-être à quitter votre maison, votre foyer ou la personne qui est autour de vous. C'est en attente. Vous voyez, hein, c'est en retard, c'est en attente. Peut-être que vous êtes en réflexion, en murmuration dans quelques temps. Et eh ben, vous allez voir, il y a quelque chose qui va bouger dans ce sens-là. Et on retrouve un homme. Le message est général et le message concerne un homme et une femme. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me donner en complément, s'il vous plaît? Bon, on voit qu'il y a une évolution, il y a quelque chose qui grandit. En fait, certainement, il y a déjà des petits soucis et puis ou des désaccords. Peut-être que vous n'entendez plus avec la partenaire avec qui vous êtes. Il y a du conflit. Et dans quelques temps, il y a une mission qui entraîne cette séparation, peut-être de biens. En tous les cas, ça concerne un aspect financier. On voit que c'est compliqué et ça amène des soucis et des ennuis. Alors, on retrouve tout ce qui est en lien avec la communication, la correspondance de votre maison, de votre foyer. Et vous voyez, on nous parle de perte, de fin, de quelque chose qui se termine. C'est en construction. Alors on nous dit d'avoir confiance aussi dans ce que vous voulez, où vous voulez vous projeter. D'accord, à un moment de temps, il faut prendre une décision. Avoir confiance peut-être sur les décisions que vous voulez entreprendre, mais surtout sur vos rêves, sur ce que vous voulez entreprendre, avoir confiance en vous. Alors, on retrouve ici la protection de vos guides, la protection de vos êtres chers, la protection spirituelle. Alors, et ici, on retrouve une femme. Donc, le message général, homme
ou femme. Voilà, si ce message vous parle, eh ben, en tous les cas, il y a quelque chose qui est en construction. Certainement, vous projetez, il y a quelque chose qui se termine. Alors, on va aller voir si on peut avoir d'autres informations complémentaires. On voit tous les liens familiales, les complications. Ouais, et vous voyez, on retrouve encore l'archange Raphaël à vos côtés. Vous êtes bien protégés, mes belles âmes. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive dans quelques temps. Prenez ce qui résonne pour vous, ça va pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à me faire un petit retour si ça vous parle. Pour me soutenir, ben, likez, partagez. Déjà, partagez la vidéo et likez, ça me soutient par rapport au travail que je vous propose. Pour les personnes qui veulent une consultation avec moi, petite privée, vous retrouvez mes prestations et tarifs sur mon site internet Willvoyance. Vous tapez sur internet Willvoyance, vous avez toutes les informations. Vous pouvez réserver en ligne. Je consulte ici au Changero à côté de Dinan au cabinet, mais je consulte par visio sur WhatsApp, par téléphone, dans toute la France et sur l'international. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un renseignement, me contacter. Vous pouvez retrouver également ma boutique en ligne de lithothérapie Univers Will Boutique. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un ou vous faire plaisir, ben, vous allez retrouver un peu plus de 1500 références. Vous pouvez retrouver également mon site magnétiseur énergéticien. Je consulte ici au cabinet au Changero, mais je consulte également par photo à distance, là où vous vous trouvez en France ou à l'international. Pardon. Vous pouvez retrouver toutes mes prestations, de nombreux témoignages en voyance et également en soins énergétiques. Si vous avez des questions ou un renseignement, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous souhaiter à toutes et tous, mes belles âmes, une très belle soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos proches. On se retrouve dès demain pour le message du jour. Je vous embrasse tous et toutes. Merci, à demain.